Les gens, on continue. Patrick's Parabox. Un truc que j'ai remarqué dans les menus, c'est que quand on passe d'un niveau à l'autre, c'est marqué au milieu vide et en anglais empty. Et du coup, c'est la même traduction. Enfin, c'est en français, c'est dans la langue que j'ai sélectionné au milieu. Et en anglais en bas, là, absorber, c'est un peu bizarre. Et en bas, eat, c'est plutôt manger. Après, Patrick est un blob, on peut comprendre qu'il absorbe plutôt. Et je trouve que c'est vachement cool pour ce genre de jeu où des fois on va vouloir chercher une solution en anglais, on va tomber sur des trucs en anglais, puis ça sera pas exactement celle qu'on espérait, etc. Donc, moi, je suis plutôt fan. Tac. Oui. Tuc. Tuc, tuc. Et voilà. Alors. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 places. Ici. J'allais demander c'est quoi le souci. Ben, le souci, c'est ce bloc-là, là, juste en dessous. Alors, on va faire autrement. Voilà, on est obligé de s'accoutumer un peu bizarrement, mais on a rechargé la batterie. Si je pousse le bloc là, après je peux pas ressortir le vide de son coin. On faisait comment déjà? Comme ça, tout simplement. Je suis bloqué, oui. Mais je peux y aller. C'est pas si compliqué, c'est pareil. Il fallait manger pour se déplacer. Je vois pas la différence. Et si, parce que là, je ne reste pas tout en haut. Là, si je peux faire ça, et là, je ne peux pas. C'est à travers. Si je reviens en arrière, je vais remettre le bloc là, parce qu'après, je peux plus mettre le bloc interne ici. Hop, on revient à une position d'équilibre. Oui, mais je peux me servir de ce truc-là. Pour faire manger dans l'autre sens. Alors,
Alors, il en faut 4. Il faut quoi dans lui? Il faut que je finisse dans celui-ci. Non. Prouve que j'ai besoin que le vert soit tout en haut. Là, on fait une charge complète d'un seul coup. Oups. Et oui, on a tout chargé. Alors, le niveau bonus. Qu'on libère le verre, donc on ne peut que faire ça, j'ai l'impression. Si on peut ressortir et re-rentrer, mais j'ai l'impression que si je pousse là, allez, j'ai tout coincé là. Fait quoi ça? Je veux dire que c'est pas possible. Je me demande si à un moment, si c'est un game over et qu'il faut juste que je le fasse, ou si à un moment il y aura des choses à faire avec. Là c'est la chose. Par contre, on peut venir ici. Ici plutôt, mais c'est m'avance pas beaucoup. Là je peux faire ça par contre, ou alors ou dans le même schéma. J'arrive dans le même schéma, impossible de m'en sortir ici.
On va essayer de faire ça, mais là je me bloque entièrement. Comment on peut faire? Oh, j'avais fait beaucoup de mouvements. Comment je peux faire? Réussis à attirer ce bloc-là ailleurs. C'est bon, je l'ai. Évidemment, non. Que j'ai besoin, c'est de lui. On a besoin, mais genre ici. Là. En ce cube-là que j'emmène tout là-bas au bout. Et là, hop là, je prends l'arrivée verte, je ressors pour me décaler, je re-rentre. Pas besoin de rentrer, hein, j'étais là. Je fais ça. Et là. Venir dormir ici. Il va y avoir un niveau avec un contour bleu. Je commence à avoir peur. On est comme ça. On va faire après. En vrai, je vais me mettre là et que le jaune rentre. Monter là-haut, ça me fait penser que je peux hisser le haut du côté, puis le bas. Effectivement, j'allais oublier d'utiliser le bas. Et voilà. Oh! Donc ici, on fait ça. Hop, si on le pousse au fond, hop là. Voilà. Et on a libéré le niveau suivant. Thank you.
Là, si je pousse le vers le gobe, mais si je le pousse pas le vers gobe, l'autre vers. Attendez, si on va à fond. Ça, je m'en doute. Et maintenant, comment je fais? Comment je fais? Enlever l'autre jaune, mais... J'ai fait tant de mouvements. Par exemple, je fais ça. Le bleu est collé en bas. Et c'est fini. Et je fais... Ça se fait... Non, c'est pas fini. Parce que ça pourrait être comme ça. Ok, j'ai compris. Je pense. Donc il faut un vert. Ici. Et il faut un deuxième vert. Là-dedans. Et ici, il faut une colonne avec les deux jaunes. Là, on gobe tout. Hop. Et ici, on gobe le dernier. Ouh, c'est pas facile à tout trouver. Donc là, le jaune et le bleu doivent finir dans le vert. Mais il faut d'abord, je pense, qu'il commence à se fusionner dans le bleu. Ouais, c'est ça. Non, on n'a pas l'angle qu'on veut et... très bien. 1, B2, 2, B, moins égal, il y a une sorte de 2. Ah, oh. D'accord. Si c'est aussi, c'est bon. Le B, je sais. Ok. Ok. Le 1, c'est le bloc de gauche. Le 2, c'est le bloc de droite. Le 2 ici, c'est le bloc 2 qu'on voit là-haut. Hop là, on pousse le B. Et on lui dit de revenir là-dedans. Nous, on ressort, on rentre par là. On le fait ressortir là, il est sur le moins, et on va sur le égal. Wow, 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 wow. Et ben, on va s'arrêter là. C'est des épisodes très courts, 20 minutes. Mais ça évite de faire des épisodes de 40 minutes ou plus si je bug. Donc on va s'arrêter là sur ce niveau absorbé. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si le jeu vous plaît.
à me dire si vous avez plus buté que moi sur certains niveaux ou si au contraire certains niveaux étaient simples à votre goût. Manette en main, c'est jamais pareil, vous en faites pas. N'hésitez pas à prendre le jeu aussi, hein. C'est un puzzle, mais il est très bien comme vous le voyez. Et à bientôt!